Alors que la popularité de la famille royale auprès du public est restée stable, beaucoup moins de personnes ont une opinion favorable du prince Harry et de Meghan Markle par rapport à avant la diffusion de leur documentaire Netflix. La dernière saison des docu-series de The Crown et du duc et de la duchesse de Sussex a été diffusée sur Netflix au cours des deux derniers mois. À la suite de la mort de la reine en septembre, les deux programmes ont suscité la controverse pour leur récit d'événements en coulisses au sein de la monarchie britannique. Bien que Harry et Meghan soient présentés comme un documentaire factuel et The Crown comme une œuvre de fiction basée sur des événements réels, un nouveau sondage a révélé que le public pense que la série est plus inexacte que The Crown. Le débat a incité le gouvernement à proposer une législation pour une réglementation accrue des plateformes de streaming. Les trois premiers épisodes de Harry et Meghan sont sortis sur Netflix le 8 décembre, les derniers versements étant tombés jeudi dernier. Pendant ce temps, la cinquième saison de la dramatisation très populaire de la plateforme de streaming sur le règne de la reine, The Crown, est sortie un mois avant le 9 novembre. Le premier est conçu comme un récit authentique et révélateur du traitement réservé au duc et à la duchesse de Sussex par les médias et le cabinet, le second un drame télévisé. Malgré cela, un nouveau sondage Ipsos réalisé entre le 13 et le 14 décembre a révélé que le public était plus susceptible de voir Harry et Meghan comme une représentation inexacte des événements, 37%, que The Crown, 28%. Oh.